Salut à vous et bienvenue pour le nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. Donc du coup, on essaye de trouver le code pour rentrer dans la salle secrète de l'appartement de Norman Osborn. Du coup, il va falloir que je cherche quelque chose pour trouver ce putain de code. Le code du clavier, mais il écrirait pas sur une table quand même, c'est pas possible. Bon de travail pour un clavier numérique. Bon travail pour un... Est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Il n'y a pas un code ou quelque chose? Non, il n'y a rien. Alors, trouvons ce code. Ah, ici, il y a quelque chose là-bas. Il n'est pas assez con pour écrire son code sur un bout de papier. Il faut que Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé? D'accord, rien d'intéressant. On va essayer de regarder derrière. Ah, là-bas, il y a des trucs. Salut, papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant... avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin... voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Ok. Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Wow. Écoute, j'avais rien pour le code pour le moment. On va essayer de regarder il la télé. Elle a l'air tellement épuisée. Pourquoi je pouvais sélectionner la télé? Il faut que j'aille voir dans la chambre d'Harry. Peut-être que Harry l'a peut-être noté, lui, sur un bout de papier. On va voir ça. Mais c'est verrouillé. Je me ah putain. Alors que je trouve où est la clé. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry. De tout ce bonheur. Enfin, comparé les à les Osborn Family. Ok, où il aurait caché la clé, le père? Alors ici, c'est quoi? C'est un tableau, j'imagine. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement... Otto proches. Ah, Octavius et Osborn, ensemble. Il a bien changé, Octavius, en fait. Alors, voyons voir. Il faudrait que je trouve une clé. La clé de, la dans le bureau, je pense. Norman non, là, c'est la salle de bain. Appartement. Ça me rend triste. La salle de bain, elle prend plus de place que son appartement, sans déconner. Ah. Une piscine, évidemment. Et bien sûr, la piscine York, intérieure, bien évidemment. Demi-intérieure, parce qu'en fait, elle est couverte, mais aussi, c'est ouvert sur le côté, vers l'extérieur. Ah, ça me demande d'aller là-bas. Eh ben, dis donc, il est bien riche, le Osborn. Alors, du coup... C'est ici que ça se passe, non? Y a pas un code ici? Ah, 737 ou page 37. Ici, il y a un chiffre. Peut-être que je pars dans un délire, mais... 37. Dans les commodes, quelque chose. Normalement, c'est là que tu caches des clés, oh, non? Trop mignon. Norman conserve tous les badges de ses campagnes. Les badges des campagnes. Ah oui, on est dans la chambre à Harry. Non ? On a de grandes ambitions, Norman. Ah non, c'est Osborn qui garde ses propres badges, en fait. Je pensais que c'était le fils. Où je dois me rendre ? Faut que je trouve cette putain de clé, là. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Ah oui, il étale sa réussite. Ça se voit. Donc du coup, cette clé. Oh, mais c'est nous, ça. On était tellement insouciants. Eh oui. La belle époque. Peter, Harry et Mary Jane... Voyons voir.
trouvons cette clé. Où il aurait pu la foutre? Elle est où cette putain de clé? Moi je l'aurais mise dans mon bureau. C'est la cuisine. Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Du vin de Bourgogne. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a des trucs sur la table ici. Où je peux la trouver cette putain de clé? Trouver le code de la porte secrète. Est-ce que je peux essayer de taper un truc au moins? Même pas. Ah, ça va être compliqué là. Hein. Cherchons un petit peu. La ville est en état d'urgence, mais Norman trouve encore du monde pour lui faire sa lessive et son ménage. Un vrai héros. Ok. Voyons voir. Ah, ici il y a quelque chose. Non, on l'a déjà vu. Ah, ça serait où? C'est pas possible. Putain, mais c'est super grand quoi, leur baraque, sans déconner. C'est abusé. Ah, ici il y a quelque chose. Norman a envoyé Harry se faire soigner. Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as caché, Harry? Oula, qu'est-ce qu'il nous a caché? Il a envoyé son fils se faire soigner. La clé, c'est Emily qui l'a. Comment on va faire, là? Il y a des trucs, je sais pas moi. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être raison. La clé. Ah, elle est là. Bingo. Eh oui. Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Parfait. Eh oui, c'est la femme qui l'a gardée. Mais bon, je sais pas si elle est toujours vivante. Mais voilà, il avait caché la clé derrière le cadre de sa photo. Quoi? Oh putain, c'est bien médicalisé. Harry, quand même. C'est pas pour Harry, ça. Voyons voir ici. Est-ce qu'il y a un code? Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à fouiller? Rien ici. Ici, il y a quelque chose. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade? Donc Harry était bien malade, en fait, hein. Il y a plein de médicaments là apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a un livre. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Ah, le code secret. Peut-être tourner les pages. C'est plutôt 50-50. Mon père dit qu'il n'y a pas de risque, mais c'est mon père, d'après Dr. Vin, c'est plutôt 50-50. Oh putain, il y a du monde, on n'a toujours pas le code. Oh putain, ils sont de retour. Nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Ils
semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, ok, je vais aller là-bas. Et en mode discrétion. Labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Ok, cherche une adresse. Je fais une ronde. Je vous tiens informé. Je peux envoyer des leurres. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Est-ce que c'est ouvert ? Ah, ça va être compliqué là. Est-ce qu'il me voit si je fais ça ? Si je l'envoie là ? J'ai dû halluciner. Est-ce qu'il va me voir ce con ? Bouge putain, bouge ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, avance encore un peu. Qu'est-ce que c'était ? Avance encore un tout petit peu là-bas. J'ai du mouvement qui débat. Parfait. Non, je peux pas passer. Ok, on va l'envoyer ici maintenant. Ok, lui on l'envoie là. Aucun problème central. Allez, 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 vite, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, j'ai pas que ça à faire. Ok, bon, j'ai que ça à faire. J'ai toujours le taser. Parfait. On va lancer un... On va lancer... Un leurre ici. Pour qu'il se retourne. Parfait, on y va. Ils ont trouvé un homme à terre. Okay. 18 juillet. Ah non, c'était la date le 18 juillet. Ok, parfait. C'est trop. J'ai pu rentrer dans la salle secrète. Pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Faut que je retrouve l'adresse. Bâtiment Oscorp. Oscorp, ça doit être ici. Je pensais les positions des patrouilles de sable. Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Ok, ça c'est le déplacement de Michael. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Faut que je trouve le laboratoire. Défense, bâtiment commercial, archives. Fréquenté par le docteur Michaels. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable. Super. Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Ouais, c'est celle-là. Super. Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Ben c'est bon. Je peux quitter. Ensuite, qu'est-ce que je peux fouiller ? C'est quoi ces machins ? Des prototypes de grenades ? Ah, un prototype de grenade. C'est peut-être les grenades du bouffon vert, ça. Hein. Mais elles sont pas vertes. Ok, ensuite. Ici, il y a quoi ? Norman est dans un gros délire de savant fou. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À fouiller, j'entends. Ici. D'accord. On va écouter. Journal de recherche sur le GR-27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR-27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps. Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça, j'en reviens pas.
Ok, c'est une tentative de traitement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à fouiller ? Ici. Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. D'accord, c'est un traitement raté en fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux regarder d'autre ? L'écran. Une radio d'enfant. Mais ce n'est ni Harry, ni Emily. Qui alors ? Et c'est qui alors ? C'est pas Martin Lee ? C'est Martin Lee, peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Localiser le centre de biotechnologie. Ici, je peux regarder. Les araignées ? Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi ? Et les noms sur les cages ? Bioélectrokinésie ? Camouflage optique ? Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste ? Qu'est-ce qu'il cherche à créer ? Moi, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il me reste à fouiller, surtout ? On dirait une carte de l'Upper West Side. Bravo, bravo, bravo. Ouais, c'est là. GR27. C'est celui-là. C'est le code du souffle du diable. Eureka ! Centre de biotechnologie. On a trouvé. Ce serait pas ? Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est ? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effet. Oui, Yodanshin, je suis Il le faisait depuis tout petit ? C'était en 86 ? Martin Lee est la création de Osborn en fait. Une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Il a tué ses propres parents ? Oh, Norman, qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon Dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Oh putain, cramé. C'est bizarre, si elle arrive à échapper à Silver, c'est pas normal. Hein. Tu veux me dire qu'elle va pas faire le tour de la table ? Oh putain, l'araignée. On a une intrusion, alerte maximum. Non mais elle est sérieuse, Silver, là. Alors, comment on va sortir d'ici ? J'ai trouvé l'adresse du labo. Ben, vous le saurez dans le prochain épisode. A plus dans le bus et à bientôt.